mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis absolument ravi de vous retrouver. Vous êtes un public formidable. C'est un jour comme les autres et pourtant il a ceci d'exceptionnel. C'est que nous sommes ici et ensemble. Je suis votre hôte, je m'appelle Gérard Bast. Ça fait une douzaine d'années que je fais du rap. J'espère vous faire partager mon plaisir pendant quelques minutes. J'avance d'un pas chaloupé au milieu de la street, en sirotant la fin d'une guerre, 75 centilitres. J'm'en fous, j'ai les deux petites sœurs dans un sac plastique, et dans la poche arrière de mon jean, un marqueur rempli de magic. J'pose un tac sur une camionnette, et j'fais gifler de l'encre. Ces putains de baskets blanches qu'on m'a ramené de Londres. Ce sera pas la première perche, Ken. J'm'en fiche tant que j'ai la tête dans un pack de Henken. Sur mon passage, les ados se filent des coups de coude dans les côtes. Ils ont reconnu Bast, les autres se matent et se demandent qui est-ce qu'ils font qui. Avec une moustache dégueulasse, toujours destroy, et un paquet de rimes qui mitraille les mots qui grattent. Sorti d'une bouteille de picrate, full CD, t'entends tambouriner les voisins qui craquent. C'est le Slim Squad, et j'ai toujours un flow aussi crade. J'écris des trucs de malade, alors je vais voir le médecin. Docteur, j'ai un petit problème, j'rappe trop bien. C'est que je mets un point d'honneur à ce que la concurrence flip sec. Je veux laisser ma trace comme celle que je laisse au fond de mon slip, mec. Si tu veux me sortir une vanne, tu ferais bien d'en trouver une bonne. C'est bien de jouer les hommes, mais si t'étais une meuf, ben tu serais une conne. Tu fais quoi dans les 80 kilos? Ben moi je pèse une tonne. Personne t'a jamais vu comme les sous-vêtements d'une nonne. Tu ne m'as pas l'air super généreux et pourtant tu me donnes beaucoup de raisons de penser que pour toi le rap n'est qu'une mode. Je roule avec les frères Harley Davidson, toi tu piques une mob. C'est bien les fringues Rick Ames, mais je te verrais mieux avec une robe. Je me comporte dans un fumard comme j'agis dans une cuisine. Je suis l'inspiration du moment, question de feeling. En clair, je pine comme je fais la bouffe, sauf que c'est toujours les deux mêmes ingrédients. Ma vie t'es ta touffe, je vais remplir, puis vider ta fouche, je vais la faire briller. Tu vas crier, c'est tu pètes ta ouf, le genre que tu peux griller en train de te chipper ta chenou. Et pour la prochaine étape, chou, faut que tu te foutes à genoux. Je représente pour le Zwinkels, si t'as en cache tout, parce qu'on est cache tout. Gérard Bast, comme d'un étage, tout trash tout. C'est la classe, comme au Lido. Je fais ma petite affaire et je m'essuie la vite au rideau. Pour éduquer les petits frères, je la sors comme Jean-Luc Bido. Et je crie, ça tu sais le faire. Hélicoptère, c'est toujours le même son qui sort de mon DJ Rido. Je me suis déjà vidé, d'où je viens avec le gland de Jaridé. Ici pas de charité, on vient faire couler le rimel. Une photo de ma huc à chaque fois que touche tes emails. Mon son comme une selle de vélo va perforer les emails. Et te foutre des boutons sur la tronche comme sur celle de Chimel. Qu'est-ce qui se passe, t'as mal au pic, va prendre ton actimel. T'es perdu comme si t'avais un plan cul avec les chimels. Je sais que le rap c'est dur mais faudrait s'y mettre. Et quand je parle, j'aimerais bien qu'on me réponde oui maître.